Le tout début du projet est assez déterminant dans le sens où, sur les dix premières pages, l'enjeu est d'introduire tous les codes et nouvelles conventions de lecture afin de donner les, les clés aux lecteurs pour qu'ils puissent après lire l'ensemble du récit de manière la plus fluide possible. Donc, dans un premier temps, on va avoir la mécanique de passer manuellement d'un écran à l'autre. Et ensuite, petit à petit, on va introduire la division de l'écran pour y mettre de la séquentialité, qui est propre au médium de, de bande dessinée. Et ensuite, on va avoir l'apparition des bulles, qui va lui-même glisser sur les premières animations avec un, un effet de flou en arrière-plan. Dans le but, au final, d'avoir, dès le 9e écran, l'intégralité du langage nécessaire pour lire le reste du récit sera exposé au lecteur et qui lui donnera toutes les clés pour naviguer dans le reste de l'histoire. Donc la double case qui commence à l'écran 13 et qui va faire ensuite la transition avec le, le cauchemar est assez intéressante dans le sens où elle va casser ce code de cases à lire dans un certain ordre qu'on va interpréter comme étant un ordre chronologique du déroulement des actions, euh, mais dans cette disposition qui va permettre de présenter deux actions qui se présentent en simultané. Donc sur, la, sur les deux cases, on va avoir ce, ce parallèle entre les deux lieux, ce qui va permettre de faire euh, intervenir cette déchirure sur cette séparation des deux cases, et d'initier, euh, d'enchaîner sur cette séquence du cauchemar avec le... Traveling arrière, qui va représenter ce protagoniste dans cette décomposition des cases précédentes et qui va s'insérer dans ces fameux tableaux spoilés. À l'écran 22, on commence la séquence avec Jacques Jojard, qui est complètement référencé par des, des documents historiques avec lesquels nous avons travaillé, c'est-à-dire que Documents d'archives, des portraits, euh, qui réapparaissent par, dans l'histoire graphiquement. Mais au-delà, en fait, plein de détails ont fait l'objet de recherches pour coller le plus possible à la réalité. Que ce soit sur euh, comment les œuvres ont été emballées pour être euh, transportées, comme par ici avec la, la Vénus de Milo, euh, qui était maintenue avec des, des planches à l'intérieur de cette caisse, une espèce de sarcophage. Mais aussi sur le transport des tableaux, superposés, maintenus par des, des cales sur leurs coins. On va aussi avoir des détails comme les, les, la disposition des guérites dans les rues, les barrages, les véhicules, et en fait, tout ce travail qui pour moi était assez nouveau, vu qu'il s'agissait de mon premier travail historique, qui m'a permis vraiment de découvrir tout ce travail invisible, mais nécessaire à la réalisation de ce genre de récit. Donc, l'enjeu de l'épisode 4, euh, ce, ce moment de l'écran 27, c'était de combler le, le récit entre la fin de l'histoire racontée par flashback et le moment présent. Donc de répondre à comment est-ce que la, cette famille est arrivée dans cet appartement, dans lequel la mère et la fille habitent depuis le, au début de l'histoire. Et pour répondre à cette question, le parti pris a été de juste le raconter par un enchaînement de photos, histoire que, en fait, cette histoire ne prenne pas trop de place dans le récit. Donc cet enchaînement de photos, on va le présenter sous la forme de travelling, et on va découvrir, au final, le reste de la vie de ce personnage d'Esther, étape par étape, pour arriver enfin à la naissance de la mère, on retrouve au début du récit et qui raconte toute cette histoire et on va enfin pouvoir faire ce lien entre ces deux époques différentes. L'histoire se termine là où le projet lui-même a commencé, c'est-à-dire qu'il a été au début amorcé par l'équipe des musées d'Angers et il se termine donc au musée d'Angers où tous les personnages de cette famille sont Enfin réunis à travers la restitution de ce tableau, et retrouvent par ce biais une partie de leur histoire, et finissent ainsi sur cette réapparition d'Esther, avec cette séquence qui, où elle apparaît comme dans ses derniers moments, où on l'a connue, puis rajeunit et repasse étape par étape chacune des, des phases de sa vie pour arriver enfin à l'âge qu'elle avait lorsque son portrait a été réalisé, et ce qui permettait de, de fermer ainsi la, la boucle de cette histoire.